Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du persona. Le persona, c'est un client idéal. Vous pouvez éventuellement descendre dans la rue et puis apostropher tous les piétons qui passent et leur demander s'ils veulent acheter votre produit ou votre service, et vous avez 99% de chances que vous ne vendiez pas. Ça sera une perte de temps, ça sera une perte d'argent, et donc il faut appliquer une stratégie. La stratégie, c'est de définir son client idéal. Car pour faire du digital, il va falloir faire de la publicité et il va falloir aussi créer du contenu sur les problématiques que rencontre votre cible. Donc vous devez définir précisément ce qu'on va appeler le persona, le client idéal. Il faut aller très très loin dans la description de ce persona, parce que plus vous allez loin et moins vous allez dépenser d'argent et moins vous allez perdre de temps. Donc je peux vous donner un exemple. Par exemple, vous pourriez cibler les artisans, mais à l'intérieur des artisans, vous avez des boulangers, des plombiers, des plâtriers, et il est évident que chacun de ces métiers n'a pas les mêmes problématiques. Donc en commençant par un seul, vous allez pouvoir mieux la cibler, mieux comprendre quelles sont ses problématiques, mieux faire de la publicité, dépenser moins d'argent. Donc vous devez choisir votre segment idéal, votre client idéal, et mettre en place une stratégie, aller jusqu'au bout, et puis éventuellement passer sur une autre cible si vous le désirez. Pour définir un persona, votre client idéal, je vous ai mis en place sur le site Mon Répondeur Automatique un fichier Excel qui vous permet de vous poser des questions. Qui c'est? Où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Quand il travaille? Comment il travaille? Avec qui il travaille? Etc. etc. Et quelles sont ses problématiques qu'il rencontre? Vous pouvez aussi utiliser des applications en ligne de fournisseurs d'applications de marketing que j'ai mis aussi dans l'article que vous pouvez retrouver dans le lien en dessous. Donc vous pouvez partager cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et sur les réseaux sociaux.